Aramco contre-attaque et annonce qu'elle va augmenter sa production. La compagnie pétrolière saoudienne affirme qu'elle fournira à ses clients 12,3 millions de barils de pétrole brut par jour en avril, contre 9,8 millions aujourd'hui. Une façon d'inonder le marché et de gagner des parts mondiales pour, à moyen terme, rentrer plus de bénéfices. Au moment où la Russie refuse de faire baisser sa production pour faire remonter le prix du baril. L'échec des négociations entre l'OPEP et la Russie a rendu très instables les marchés financiers. On est rentré dans une guerre des prix. Donc on est dans un moment où on ajoute de la panique et on ajoute de l'incertitude à une situation déjà d'incertitude tout à fait radicale. L'annonce d'Aramco ainsi que des nouvelles similaires venues des Émirats ont fait à nouveau plonger les cours du pétrole ce mercredi. De quoi mettre aussi sous pression les États-Unis, déjà au top de leur production. Les exportations américaines ont atteint un record avec 4,5 millions de barils par jour en janvier.